Au début de cette célébration, je vous ai entendu chanter dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Je me suis demandé à la chorale si vous pouvez exécuter ne serait-ce que le premier refrain, le premier couplet de ce chant. Thank you.
practice, brothers and sisters, that when you meet with a little child on the way, you do not ask him or her, who are you? Instead, you ask, whose child are you? The child is identified by the parents. And as such, children tend to live for a long time in the direction and identity until they grow up. Accordingly, we tribes that have hunting as a culture, when a child catches his first animal, it does not belong to him until he has taken it to his parents. The same king obtains for the first salary or wage earned, it is expected that the child brings it home to the parents, place it with a pride and dignity at the feet of his father, who then bless him and bless the work of the child's hands. Takes a certain portion, certain amount of it, and then hand the rest to the child. Coming from such an African culture and tradition, and respect for parents and homeland, I will consider the celebration of our nation as Bishop St. Thomas Diocese in the Virgin Islands of the United States of America incomplete until I have come here home to present to you, my people, the march and the posture symbols of service for the Lordship of the House of Israel. I am here today to celebrate my first Mass as a bishop among my people, the pillar of my life and faith, the source of my hope and the school of my native charity. No possible action. Thank you.
la paix au nom de merveille. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi d'être ici parmi vous en ce jour. Le devoir de venir pour que c'est avec le cœur rempli d'allégresse que je me suis fait le devoir de venir pour que nous servions ensemble la merveille que le Seigneur a faite pour moi et à travers moi pour notre diocèse de votre sang, pour notre département de la Maine, pour la communauté chrétienne, les forces vives et toutes les personnes de bonne volonté qui se trouvent ici. Immédiatement après ma nomination, j'ai reçu quelques appels. Les premiers appels que j'ai reçus sont venus du diocèse de Barossa. Et du diocèse de Kumbo. Le
trouve ici, parmi nous, celui qui allait servir la messe tout le matin avec moi, Docteur Fernando. Et on les appelait les magistrats, qui n'étaient d'autre que nos frères et sœurs d'Amour.
350 000 et 375 000 morts parmi les civils selon les estimations de l'ambassade britannique réunie en 1964. 80% des morts étant originaires de la région Bani Bekri. Le général Frank Max, commandant de toutes les forces militaires françaises au Cameroun, a donné une estimation de 20 000 personnes tuées dans la région Bakilité pour la seule année 1960. C'est-à-dire, on nous a mis en rang et nous sommes allés, n'est-ce pas, fêter l'indépendance du Cameroun. Mais ça n'a pas arrêté les tueries. Certaines estimations modernes des décès se chiffrent en centaines de milliers, voire en millions. Mais on pense qu'elles ne sont pas fiables. Dans l'ensemble, l'estimation du nombre de morts est difficile, car l'administration française n'a pas tenu des registres méticuleux du nombre de personnes tuées. Chers frères et sœurs, le rebelle de l'armée camerounaise et l'armée française ont commis des crimes de guerre pendant deux ans. Eux tous. L'armée française brûlait conséquemment ou détruisait complètement des villages entiers, infestés de pseudo-terroristes, entraînant la mort d'un nombre inconnu et très important de civils non-terroristes. Beaucoup de gens parmi nous ne le savent pas. Faisons de plus pour lire cette page d'histoire pour que les gens ne se passent pas peur que bien il y a quelque chose de terrible dans notre région. J'ai été témoin de cela. Et je peux témoigner avec autorité parce que la maison de ma mère a été complètement brûlée, incendiée et que nous n'avions pas d'endroit où rester. J'ai vécu l'itinérance comme la plupart d'entre vous qui sont actuellement réfugiés ici à Dschang en raison de la crise de la partie anglophone du Cameroun. C'est pourquoi je comprends ce que signifie être un réfugié, parce que j'ai été réfugié dans cette ville de Dschang. Alors ma mère m'a emmené et nous sommes allés chez mes oncles, l'un après l'autre. Elle n'avait plus de place, heureusement qu'elle avait ses frères. J'en ai profité. Oui, nous avons passé la nuit dans les buissons avec les coups de feu ici et là. J'ai subi un traumatisme chronique quand j'étais enfant. Tôt de la rue de matin, du jour où nous étions, on a passé la nuit dans la course au pied d'un arbre. Exposé à des dangereux animaux sauvages au serpent, je me suis levé au champ du corps. Le corps était encore vivant. Ce n'était pas du tout une bonne nuit. Comme vous pouvez le voir, c'est devenu une nuit mémorable pour moi depuis mon enfance. Néanmoins, ma mère et moi avons réussi à nous rendre dans cette ville. J'ai migré en tant que réfugié, comme la plupart d'entre vous dans cette ville de Dschang. Mon oncle nous a donné l'hospitalité et j'ai grandi dans cette ville et j'ai commencé mon école primaire à l'école catholique Saint-Albert, ici à la paroisse Saint-Augustin. Je termine ensuite mon école primaire à l'école principale. Quelle école principale? L'école principale des filles. Nous étions à peu près peut-être 4 ou 5 garçons à l'école des filles. J'ai été donc transféré à l'école catholique, à l'école des filles, Saint-Albert, parce que ma mère n'avait pas les moyens de payer mes frais de scolarité. Alors je suis allé à l'école publique pour terminer mes études. Chers frères et sœurs, je comprends ce qu'est la pauvreté parce que j'ai vécu la pauvreté. Donc je sais ce que signifie être pauvre.
J'en ai souffert. C'est pourquoi j'ai vu mon ministère épiscopal une priorité, comme le pape François, d'avoir une place spéciale dans mon cœur pour les pauvres, parce que j'ai vécu la pauvreté dans mon enfance. Je sais ce que signifie passer des jours sans nourriture, parce que j'ai connu toute la faim quand j'étais enfant. Mais je, comme il faut faire la part des choses, prier à mes jours, mais je connais aussi le jour où chez papa Richard Fancourt, avec les femmes qu'il avait dans la maison, nous avions intitulé chaque, n'est-ce pas, carré, chaque maison, cuisine numéro 1, cuisine numéro 2, cuisine numéro 3, cuisine numéro 4. On mangeait quand même. On mangeait quand même. Vous voyez donc, le début de ma formation spirituelle à la paroisse, m'a inculqué quelque chose dans le pays. Le désir de servir Dieu. Pourquoi? Parce que le prêtre que j'ai rencontré sur ma foi était de bon compagnon, accueillant, avec beaucoup de compassion. Les religieuses que j'ai rencontrées sur ma foi se comportaient comme si elles étaient consacré pour me servir, non seulement moi, mais les autres avec qui nous jouons, au Cameroun, au Cameroun, un peu partout dans la ville de Dschang. Et quand nous nous retrouvions à la première, bien que n'étant pas, n'est-ce pas, des enfants qu'on avait reçus officiellement à la première, on attendait nos pas, et les sœurs, n'est-ce pas, nous gardaient leur culture. Merci. Comme je l'ai mentionné, plutôt chers frères et sœurs, dans le Christ, j'ai demandé en étant témoin de votre horrible. En notre maison a été brûlée, que ma mère a dû m'amener hors de mon village, chez mon oncle ici à Dschang, pour que nous puissions trouver un endroit pour vivre. J'étais en asile dans ce pays de Dschang. Qui s'est toujours distingué par son hospitalité légendaire. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes ont été dispersées dans diverses régions du Cameroun. Je reviens comme un bon samaritain, ayant vécu la même expérience. Je comprends ce que signifie être sans abri. Je suis maintenant prêt à aider d'autres personnes, notamment du département de l'Ilialin, qui sont venus à Dschang en raison de la guerre dans la région anglophone du Cameroun qui a commencé. Cela fait maintenant 5 ans que cette terrible guerre a fait de toutes ces personnes des réfugiés. Jusqu'à présent, l'Église catholique s'est fait le devoir de s'occuper d'eux. Et surtout les sœurs. Parce que les sœurs m'ont montré ce qu'elles sont en train de faire. Les filles, les saints, je saisis cette occasion pour dire merci à Dieu pour toutes ces sœurs et pour toutes ces personnes. Je constate que les sœurs de Sainte-Anne aussi font la même chose et les autres religieuses font la même chose. Merci à Dieu. Le début de ma formation spirituelle à la paroisse Saint de Trump. J'étais aussi catéchiste avec M. Paul. C'est pour lui qu'il a eu confiance en moi, M. Paul, qui pendant longtemps était le directeur de la chorale ici et chantait. Tout le monde le connaît ici à Trump. Alors évidemment, il m'a choisi comme surveillant dans sa salle de classe quand il chantait pour aller être
avant de récupérer ou faire d'autres choses, j'étais le sens. J'étais l'esclave de surveillant. Vous savez, le devoir du surveillant, c'est de prendre le nom de papa. Cela m'a valu une bagarre parce que une jeune demoiselle dans la classe avait refusé, n'est-ce pas, de faire ce que je lui avais demandé de faire. Non seulement ça, elle est venue chahuter, elle est venue presque cracher, n'est-ce pas, sur ma figure. Mais il fallait que je réagisse. J'ai réagi. Et elle s'est mise à crier. Quand elle s'est mise à crier, alors, une dent qui bougeait déjà de sa bouche est sortie. Alors, les gens ont dit que Jérôme a cassé, n'est-ce pas, la dent de Lucien. C'est tout le village, n'est-ce pas, toute la famille de l'autre côté qui s'est enfermée ici. Et ils m'ont bien soigné. Et non à l'évaluer.
Cela oriente la discussion vers la leçon prévue par Jésus. Le scribe répond à la question de Jésus en citant le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, et de Lévitique, chapitre 19, verset 18. C'est pratiquement la même réponse que Jésus avait donnée à la même question dans Matthieu 22 et Marc 12. Au verset 28, Jésus affirme que la réponse de l'avocat est correcte. Ce faisant, Jésus dit au scribe qu'il a donné une réponse orthodoxe, conforme aux Écritures. Mais la parabole du bon samaritain raconte l'histoire d'un homme voyageur de Jérusalem à Jéricho. Alors qu'il est en chemin, il est volé de tout ce qu'il a fait, y compris ses vêtements, et est battu à moins d'un pouce de sa vie. Cette route était traiteusement sinueuse et était un père préféré de brigands et de voleurs. On dirait que maintenant, il y a des pareils de voleurs au Cameroun, je ne peux pas dire. Mais méfiez-vous. C'est dommage. Le prochain personnage que Jésus a introduit dans son histoire est un prêtre. Un prêtre. Il ne rentre pas dans sa description exhaustive, mais raconte seulement comment il n'a montré ni amour ni compassion pour l'homme en passant de l'autre côté de la route pour ne pas s'inquiéter. Il s'agit de prêtre de ce temps-là, pas ce prêtre-ci. Mais pour que ce ne soit pas ce prêtre-ci, priez pour. Et soyez patient avec. Parce qu'il vous aime tous. Autrement dit, ce ne serait pas fait grâce. Ils sont fait grâce pour cela. Vous aimez, vous montrez la compassion. Vous vous assistez, vous priez pour vous. Vous bénir les enfants. Vous écoutez, vous donnez les bons conseils. Ils sont devenus grâce pour vous assister pendant les moments des épreuves. Ils sont devenus grâce pour enterrer les morts. La vie du prêtre est une vie vraiment dense. Beaucoup pensent que le prêtre sont là, il se prépare seulement pour l'instant. Tu manges et puis c'est tout. Pas vrai? Non. Vous suivez un prêtre pendant une journée, vous verrez que les prêtres ont une des plus difficiles tâches qui existent. Difficile. Yes. Revenons à la parole, n'est-ce pas? À la parole de Samuel. La prochaine personne à passer dans la parabole du bon samaritain est un lévite. Et il fait exactement comme le prêtre. Il passe à montrer de compassion. Encore une fois, il était maître de la loi, mais il n'a pas non plus montré de compassion à l'homme blessé. Les Samaritains étaient considérés comme une classe inférieure par les Juifs, car ils s'étaient mariés à des non-Juifs et n'observaient pas toute la loi. Par conséquent, les Juifs n'auraient rien à voir avec eux. Nous ne savons pas si l'homme blessé était un Juif ou un païen, mais cela ne faisait aucune différence pour les Samaritains. Ils ne tenaient pas compte de la race ou de la religion de l'homme. Le bon samaritain ne voyait qu'une personne qui avait cruellement besoin d'aide et il l'assistait au-delà du minimum requis. Il a pris les blessures de l'homme avec du vin pour désinfecter et de l'huile pour apaiser la douleur. Il met l'homme sur son animal et l'amène dans une auberge pour un temps de guérison. Et paix l'aubergiste avec son propre argent.
de la naissance commune et dit à l'aubergiste de bien prendre soin de l'homme et il paierait toutes les dépenses supplémentaires de son voyage à retour. Les Samaritains voyaient son prochain comme quelqu'un qui était dans le besoin. Jésus dit à l'avocat d'aller et de faire de même. Ce qui signifie qu'il devrait commencer à vivre ce que la loi lui dit de faire. En terminant la rencontre de cette manière, Jésus nous dit de suivre l'exemple du Samaritain dans notre propre conduite et dans notre propre contexte. C'est-à-dire que nous devons faire preuve de compassion et d'amour pour ceux que nous rencontrons dans nos activités quotidiennes. En particulier en ce moment terrible dans notre pays avec la crise anglophone. Nous devons aimer les autres, quelle que soit leur race, leur religion, quelle que soit leur tribu. Le critère est le besoin. Car nous sommes tous frères et sœurs du même Père, créés à son image et à sa ressemblance. S'ils sont dans le besoin et que nous sommes approvisionnés, alors nous devons donner généreusement et librement, sans attendre, au retour. Voilà une obligation presque autant impossible pour l'avocat et pour nous. De mettre de côté nos préjugés et faire preuve d'amour et de compassion pour les autres. Notre prochain esprit que nous rencontrons, nous sommes tous des créatures du Créateur et nous devons aimer toute l'humanité comme Jésus l'a enseigné. Être terriblement fidèle à la loi dans son intégralité avec l'intention de nous sauver est une tâche impossible. Nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est... Jésus. Du point de vue métaphorique, du lieu de style, non, le ciel représente tous les hommes dans leur condition de pécheur déchu. Les voleurs sont Satan qui attaque l'homme avec l'intention de détruire leur relation avec Dieu. L'avocat est l'humanité dénuée de la vraie compréhension de Dieu et de sa parole. Le prêtre est une religion dans un état d'aspiration. Le lévite est un légalisme qui distille les préjugés dans le cœur. Le Samaritain est donc Jésus qui fournit le chemin de la santé spirituelle. Bien que cette interprétation enseigne de bonnes leçons et que le parallèle entre Jésus et le Samaritain soit frappant, cette compréhension attire l'attention sur Jésus qui ne semble pas être prévu dans le texte. Par conséquent, nous devons conclure que l'enseignement de la parole du bon samaritain est simplement une leçon sur ce que signifie aider son prochain. Et c'est absolument important en ce moment dans notre pays de se pencher sur ce message. Chers frères et sœurs, les réfugiés du département de l'Inde, dans nos villes, villages, vivent la même tragédie. Nous avons vécu dans le pays de l'Angleterre dans les années 1960. Le nombre de nos écoles a augmenté. L'Église catholique a pris en charge de nombreux réfugiés. Nous étions autrefois des réfugiés, donc nous comprenons maintenant pleinement ce que signifie afin que nous puissions être de bons samaritains, comme nous venons de le voir dans la parabole. Jésus a fait de même. Et aujourd'hui, c'est une nécessité urgente de prendre soin des réfugiés.
Nous devons permettre au message de Christ de nous transformer afin que nous puissions être bons samaritains. Et cela m'a affecté. Car partout où je vais, prendre soin des gens a été une priorité pour moi à travers la charité, la vie, les programmes sociaux, les maisons d'accueil, l'alimentation des pauvres et autres activités, pour que je puisse être le bon samaritain. Je veux dire que le bon Dieu m'a béni, non seulement il m'a envoyé aux États-Unis, il a fait de moi son servant aux États-Unis, il a permis que mes frères et mes sœurs du Cameroun me suivent aux États-Unis. Les religieuses qui sont venues, elles travaillent depuis 2015. La procédure a été longue, mais elles sont là. Elles me soutiennent par leur apostolat, par leur ministère. J'ai confiance, pas que je n'ai pas confiance aux autres, mais j'ai confiance aux religieuses qui sont venues du Cameroun pour œuvrer, n'est-ce pas, pour évangéliser les âmes au Seigneur des États-Unis. Le bon Dieu aussi m'a envoyé des prêtres camerounais. Certains sont ici avec moi. Et des prêtres d'autres pays africains. Ils sont tous autour de moi. Je les ai accueillis et ils travaillent avec moi. J'ai saisi cette occasion pour dire merci, n'est-ce pas, aux supérieurs et aussi aux évêques qui ont permis, n'est-ce pas, à leurs prêtres ou à leurs religieuses de venir travailler aux supérieurs. Merci, merci beaucoup. Nous tous, nous essayons de faire comme le bon samaritain. Chaque jour, nous allons, n'est-ce pas, sur le champ. On ne puisse pas se remarquer par la solitude pour les pauvres et le respect de la sainteté de la vie. C'est un monde naturellement amené à parler des expériences des migrants. Pour migrants, on est en anglais, des immigrés. Et les nouveaux arrivants à cette ville, comme ici, la chambre. Vous avez des gens qui sont ici, qui viennent d'ailleurs. Ils sont venus, ne sachant pas beaucoup, ils allaient. L'instinct, n'est-ce pas, ils ont moins réussi. Pourquoi? Parce que le bon Dieu savait que ici, à Dschang, ils trouveront bon accueil. Parce que ici, à Dschang, le bon Dieu a préparé vos cœurs pour les accueillir. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Maintenant, allons à l'action. Il y a eu une augmentation tragique du monde des émigrés. Et pour nous aider, n'est-ce pas, à bien comprendre ce phénomène et à savoir comment répondre à ce phénomène, sa sainteté, le pape François, a apparemment écrit à ce sujet. Il a écrit sur ce sujet. Et si nous voulons vraiment comprendre ce qui, comment il est défini et quelle place ils ont dans l'Église, et de voir que nous avons mis à l'aider, essayons de vivre, n'est-ce pas, de l'être de sa sainteté à ce sujet. Nos prêtres peuvent très bien nous aider. Je ne peux pas vous permettre à dire, n'est-ce pas, c'est le Dieu qui nous parle. J'ai aussi tourné un regard vers la situation politique qui est la nôtre.
Le dialogue devient une expression de charité car il peut nous aider à rechercher et à partager le bien commun sans ignorer les différences et sans faire prévaloir notre position sur celle des autres. Le Conseil Vatican II a souligné que la paix est plus que l'absence de guerre ou l'équilibre de forces entre les forces opposées. Il ne peut y avoir de paix si le bien-être des gens n'est pas sauvegardé et s'il n'y a pas de partage libre entre eux, de la richesse de leurs esprits et de leurs valeurs dans un esprit de confiance mutuelle. Par conséquent, on suit, n'est-ce pas, ce passage du texte. Par conséquent, la paix est aussi le fruit de l'amour. Car l'amour va au-delà de ce que la justice peut obtenir. On peut aussi dire que la paix est amitié et bienveillance. En accord avec Confucius, la bienveillance signifie ne pas imposer aux autres ce que l'on ne veut pas pour soi. Un principe proche du précepte chrétien. Aime ton prochain comme toi-même. Selon le pape Jean-Paul II, pour que la vraie paix s'établisse dans le monde, la justice doit trouver sa réalisation dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Il a donc rappelé que le pardon est nécessaire pour résoudre les problèmes des individus. Le pardon est nécessaire, mais qui va se punir le premier? La question. Seule une humanité dans laquelle règne la civilisation de l'amour pourra jouir d'une paix authentique et durable. Dans son encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, le pape François décrit le dialogue comme s'approcher, parler, écouter, regarder, apprendre à se connaître et à se comprendre et trouver intérêt d'entendre. Ce type de dialogue, de la part des nombreuses personnes généreuses, maintient les familles et les communautés unies, sans faire la une des journaux. Sans faire la une des journaux, dit le pontife. C'est pourquoi il est une condition sine qua non indispensable pour le gouvernement camerounais de se rapprocher des dirigeants de la partie anglophone du Cameroun. De leur parler, de prier à leur vue, de les écouter, de les regarder en face, de les connaître et de les comprendre ainsi que leur audience et surtout de trouver un terrain. Sans cela, ils ne seront pas pour la paix. Le dialogue est la solution. Et j'appelle de toute urgence à un dialogue inclusif entre les parties pour mettre fin à la guerre insensée. Je déplore profondément et je me lamente que tant d'entre nous, y compris moi-même, soient désorientés. Nous ne sommes plus attentifs au monde dans lequel nous vivons. Nous nous en fichons. Nous ne protégeons pas ce que Dieu a créé pour nous. Et nous sommes plus capables de prendre soin des uns et des autres. Et lorsque cette désorientation prend des dimensions mondiales, nous arrivons à des tragédies comme celles que nous vivons actuellement dans la région anglophone. Qui est responsable du sang des frères et sœurs dans la région de Fontaine? Personne. Nous répondons tous de cette façon. Je critique totalement la mondialisation de la différence, un terme que le pape François utilise pour décrire l'insensibilité avec laquelle les individus et les communautés traitent les personnes pauvres, désespérées et marginales. Mais Dieu demande à chacun de nous
J'entends donner une parcelle de terrain avec une maman
elle savait que si elle le fait tout seul, ça ne va lui prendre des semaines entières. Alors, non, il manque des choses. Les mamans se mettent ensemble pour cultiver les chances sur une vaste parcelle qu'une seule personne ne pourrait jamais couvrir toute une année entière. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe encore? Nous devons la culture et de la solidarité si chère à notre peuple et le fondement de la tontine. Les gens qui pensent qu'ils vont la tontine, c'est ce qu'ils vont gagner à la fin, n'est-ce pas, quand leur tour va arriver. Il y a mieux que ça. Yes. N'en déplaise à ceux qui croient les velléités du sectarisme, des réunions, des cotisations et les tontines nous invitent en même temps à mettre en réserve nos capacités, nos limites, mais surtout nos valeurs si bien efficaces comme gage du bien vivre ensemble. Quand vous retrouvez là, c'est la foi. Oui, vous allez peut-être contribuer, n'est-ce pas, vos sous pour la France, mais ça vient juste après pour vous échanger de vos rêves, vous parler de vous. Vous parlez des problèmes qui sont les vôtres et vous êtes comme ça au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans votre famille. L'argent devient après. Oui, les tontines. Il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, mais de se trouver la possibilité d'une vie. Pour tous et pour chacun. Tout cette formule très très chère à l'homme de montagne, c'est-à-dire le monde. Quand tout le monde se partage, tout on ne distingue pas de pauvre. Nous sommes un peuple solidaire par essence. Laissons parler cette richesse culturelle. Pensons à la prospérité de notre peuple. Quittons nos conforts et lumières. Déjà,
normal à notre Jésus. Et nous sommes tous venus ici pour prier et dire merci au bon Dieu pour ce travail. Au cours de cette prestation de grâce, alors que nous commençons à reconnaître Jésus dans tous ses visages, je prie pour que nous soyons poussés à agir. Je prie pour que nous nous souvenions que chaque fois que nous nous accueillons un étranger, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il a fait, nous accueillons la présence même de Dieu avec nous. Chaque fois que nous accueillons un étranger, nous le faisons au Christ lui-même. Au cours de cette messe, frères et sœurs, que nos cœurs soient changés afin que nous puissions voir la lumière entrer dans le monde et nous verrons que les ténèbres ne peuvent pas atteindre. Loué soit Jésus-Christ. Amen.